C'est parti. Hello, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui je suis juste ravie de vous retrouver dans cette vidéo. On va enfin trier mon placard. Donc pourquoi aujourd'hui je filme une vidéo où on va trier mon placard? Alors tout d'abord déjà ça va grave me motiver à trier de filmer, ça je sais, c'est sûr. Et aussi deuxièmement, en fait tout simplement j'ai toujours partagé ma chambre avec ma soeur. Et maintenant on a une chambre séparée, donc j'ai ma chambre, elle a sa chambre. Du coup je suis trop contente parce que j'ai récupéré son placard. Donc là on voit son placard mais il y a le mien juste à côté. J'ai donc récupéré deux placards. Du coup j'ai un grand placard, j'ai un grand dressing, genre je suis vraiment trop contente. Et pour cela j'avais envie vraiment de trier et de vous montrer en fait ce que je vais vendre sur Vinted. Comme ça va également vous permettre de voir les vêtements encore mieux que sur Vinted. Donc, bien évidemment je vais pas tout montrer en vidéo parce que la vidéo va durer trop longtemps sinon. Je sais que beaucoup de youtubeuses collaborent avec Vinted, mais pour ma part ce n'est pas le cas, même si franchement j'aimerais beaucoup. Mais voilà, c'est une application que j'aime énormément, donc si vous connaissez pas Vinted, même si je pense que si, Vinted c'est une application de revente, donc vous pouvez revendre plein de choses, donc des vêtements, des accessoires, même du maquillage qui n'a jamais été utilisé bien évidemment, mais vous pouvez revendre plein de choses. Et moi ça fait quelques mois que je vends pas mal de choses sur Vinted, mais là je suis vraiment un énorme tri. Aussi je suis enrhumée, donc je ne veux pas des commentaires parce que je sais que je reçois souvent des commentaires: ah mais t'es tout le temps enrhumée. Alors j'ai un problème au niveau de mon nez, je parle tout le temps du nez, mais là pour le coup je suis très enrhumée, du coup je parle beaucoup du nez. Donc juste ici j'ai un portant pour mettre voilà tout ce que je vais vendre. Et également en bleu j'ai un sac plastique parce que je veux aussi donner des vêtements à des associations. Voilà. Donc, écoutez c'est parti, j'ai vraiment trop hâte. Sachez que j'ai vraiment beaucoup de choses, mais vraiment. Alors j'ai mis énormément de fringues par terre pour que ce soit plus facile à trier en fait, tout simplement. Alors là j'ai pas mal de jeans. On a ce jean là de chez Pinky qui est vraiment trop mignon. Mais le problème c'est que je trouve qu'il ne me va plus. Il est limite trop petit. Donc ce jean je ne le mets plus. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que je trouve vraiment trop beau. Mais ça sert à rien vraiment que je les garde si je ne les mets plus. Un jean brut. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de tailles, il n'y a pas que du 38, du 36. Il y a énormément de tailles parce que j'ai récupéré des vêtements de mes soeurs, de ma mère, etc. Du coup, à force d'accumuler, j'ai beaucoup de tailles différentes et beaucoup de styles différents aussi. Alors ce pantalon, je l'aime trop, mais malheureusement, je le trouve beaucoup trop court pour moi. Donc je fais 1m62, 63. Oui, je suis petite. Donc c'est un petit pantalon de chez Primark, mais que je trouve juste canon et que j'ai beaucoup porté en été l'été dernier. Donc voilà, un petit pantalon à carreaux orange et noir que je trouve vraiment trop beau. Vraiment je trouve canon, mais malheureusement il est vraiment trop court. Donc pour les personnes qui font 1m58, 59, il va très bien vous aller, mais pour ma part c'est pas le cas. J'ai cette robe de chez Zara qui est très longue, que j'ai pris en hiver dernier. J'ai beaucoup aimé la tendance des bandes sur les pantalons, sur les robes, etc. Mais là je commence un peu à être blasée, je vous avoue. Du coup hop, celle-ci je la vends. Je crois que c'est du S. Non c'est pas du S, c'est du M. Donc c'est du M. Ensuite ça c'est quoi? Oh là ça je mets pas du tout. C'est une combi blanche à épaules dénudées. J'avais pris en noir que j'avais beaucoup aimé, du coup je l'avais pris en blanc. Mais franchement sans ça je pense que je vais même pas la vendre, je vais la donner parce qu'elle est extrêmement transparente. Et elle est pas belle du tout, vraiment je vous le dis, elle est pas belle. Donc ça je vais la donner, c'est mieux, je peux pas vendre ça. Celui-là, non celui-là je vais le vendre. Celui-là je vais le vendre, c'est un petit chemisier que je trouve juste canon. Mais encore une fois je crois que je l'ai jamais porté, c'est un petit chemisier de chez Primark. Mais je l'ai jamais porté et je me dis que c'est que j'en ai pas besoin. Mais elle est canon, j'aime trop la coupe du col, les petits boutons comme ça, juste trop canon vraiment. Je vais pas la mettre, j'ai pas trop réfléchir sans temps sur les articles. Celui-là aussi j'hésite trop à le vendre, mais je l'ai jamais porté, c'est un chiquel. Mais je sais pas, je le trouve vraiment mignon et je me dis que... Je me dis que je vais le mettre. Donc celui-là je le garde. Je vends également cette chemise parce que je la mets plus. Elle est canon aussi. Non, c'est une petite Zara noire avec des petites bandes blanches sur le côté et sur les manches. Elle est très jolie, mais bon voilà, je la mets pas, donc c'est que je dois la vendre. C'est une chemise que je garde parce que je la trouve vraiment belle. Que je mets pas. Alors il y a ce manteau que je trouve vraiment joli, mais voilà, j'ai grandi depuis donc il me va plus. C'est un manteau de chez Zara beige, mais c'est du bien sûr je n'ai plus la taille, je crois que c'est du 13-14 ans.
si je me trompe pas. Il y a également ce gros pull avec une petite fermeture qui s'arrête juste ici. Pareil, que je ne mets plus. Alors ce pull, je le trouve vraiment mignon, mais est-ce que je le garde? Ouais, je le garde. Ce sac là je le mets plus du tout, mais en fait il est vraiment pas du tout en bon état. Donc je pense que je vais le donner parce qu'il a commencé à noircir, etc. Et c'est un petit sac Zara, mais je préfère le donner. On a ce pull de chez Naked que je trouve vraiment beau, mais pareil je mets plus, donc c'est que je me dis que je dois le vendre. Un joli pull, enfin un joli sweat orange de chez Naked, de bonne qualité, etc. Mais voilà, je le mets plus, donc hop, à vendre. Il est trop beau celui-ci, mais je le mets plus. Je le mets plus parce qu'en fait c'est un crop top pull et je me dis que j'ai tellement chaud avec ça que c'est pas logique de mettre un crop top avec un gros sweat. Mais avec un petit taille haute, bon, je le garde. Alors celui-là, j'hésite trop à le vendre, mais je me dis que si j'ai une petite soirée paillette, petite combi short, très 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 ouverte au niveau de la poitrine, et vous mettez ça avec un joli petit body à dentelle, ça peut être pas mal. Mais en fait, le truc que je comprends pas, c'est qu'ils ont fait un mini short, du coup, on voit tout le cul. Voilà, mais si je mets un short en dessous, pourquoi pas, celle-ci je la garde. Alors j'ai aussi ces sacs à vendre, donc c'est les deux mêmes en différents formats. Donc j'ai en bandoulière comme ça, donc c'est un sac en simili cuir, enfin non, en vinyle. Très très mignon de chez Monkey, je l'avais acheté chez Monkey pour un mariage, je crois que je l'avais acheté. Et trop trop beau, vraiment très joli, mais je le mets pas, donc malheureusement, hop, à vendre. Ensuite l'autre format, c'est format pochette de chez Primark. Et vous avez aussi une bandoulière, mais je le mets plus, donc hop. Avant ça, hop, je mets pas, c'est un joli petit haut que j'ai jamais mis. Ce haut que je n'ai absolument jamais mis, c'est un petit haut crop top de chez Primark, mais je sais pas si je le donne celui-ci parce qu'il est vraiment trop beau. Mais il est vraiment tout petit quoi, c'est un tout petit crop top. Et vous voyez mes bras, je sais même pas s'ils rentrent dedans. Bon, je vais l'essayer, si je suis pas à l'aise dedans, je le vends. Sachez juste une chose, parce que là j'ai passé pour une grosse frigatée qui a 30 milliards de vêtements. C'est des choses que j'ai beaucoup accumulées. Et c'est des choses que mes parents, enfin que ma mère m'a donné, que mes soeurs m'ont donné. Donc quand t'es la plus petite, forcément t'as beaucoup plus de choses, dans le sens où bah mes soeurs grandissent et du coup elles me donnent des choses. Du coup après c'est moi qui a plein de vêtements. Et voilà, donc aujourd'hui je trie. Bon, voilà mon portant qui est très 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 bien rempli. Donc là on a les choses que je vais donner. Et donc voilà, donc là on a les sacs. Juste en bas on a encore un bac. Donc écoutez, c'est parti, rangement placard. Parce que là bon bah c'est pas trop possible. Voilà, donc c'est parti, let's go. Et voilà, j'ai enfin terminé de ranger mon placard, je suis trop contente. Donc j'ai séparé mon placard en deux parties. On a une partie un peu plus sombre et là une partie un peu plus colorée, un peu plus frais. Donc là on a les vêtements blancs, verts, là on a une pièce noire et blanche, je sais pas ce qu'elle fait ici, bleu et un petit peu du violet. Ensuite ici, si vous vous demandez, j'ai mis mes petits hauts. Je trouve ça beaucoup plus cool de les mettre ici parce que bah, elle est dans mon placard tellement qu'il était petit, donc bon voilà. Là j'ai mis mes ceintures, derrière j'ai mis mes petits foulards. Voilà, voilà, un placard banal quoi. De l'autre côté il y a la partie un peu plus sombre avec des pièces noires et des pièces marron. Marron c'est pas vraiment sombre, mais je voulais pas mettre le marron ici, je trouve que ça allait bien avec le noir. Et par contre au niveau des pulls, j'ai un peu abusé, j'ai eu énormément de mal à trier. Je sais pas pourquoi, les pulls j'ai du mal à m'en séparer. Donc au fur et à mesure là, quand je vois que je mets plus un pull, je le vendrai. Là pour le moment j'ai beaucoup de mal, voilà. Après je suis un petit peu dégoûtée parce que, bon là on a mes sacs,
voilà. Mais en fait au niveau d'ici, j'ai fait un tri pour me séparer de mes vêtements. Et au fait ils se retrouvent ici, ça fait extrêmement pas rangé, ça me saoule, mais bon tant pis. Donc là on a le gros portant, là on a le gros bac avec les chaussures sur le côté. Donc maintenant on passe aux photos. Je vous retrouve le lendemain, tout simplement parce que franchement hier j'avais pas la foi de tout prendre en photo. Vraiment j'avais pas la foi du tout. Du coup aujourd'hui séance photo dans le miroir afin de mettre les articles sur Vinted. Et sachez que les vêtements que j'ai présentés en vidéo, c'est les vêtements que je vais mettre en priorité sur Vinted, parce que je vais pas pouvoir tout prendre en photo aujourd'hui. Franchement si j'arrive c'est que je suis vraiment forte, parce qu'il y a quand même vachement de choses à prendre en photo. Je dirais qu'il y a peut-être une centaine de vêtements, un peu moins. Mais bon, ça fait beaucoup quand même de vêtements à apporter et à prendre en photo et à poster sur Vinted aussi. Mais sachez une chose, c'est que je vais vraiment poster régulièrement sur Vinted, parce que normalement je suis motivée, surtout que là je suis en vacances donc j'ai pas d'excuses, j'aurai un petit peu de temps pour me consacrer à Vinted. Si après cette vidéo vous allez sur Vinted et que vous voyez pas votre bonheur, quelque chose comme ça, sachez que voilà, comme je vous dis, je poste régulièrement et j'ai encore énormément de choses à vendre. Il n'y a pas que ça, j'ai encore plein de trucs dans mon garage à vendre, du coup voilà pour ça. Donc écoutez, c'est parti. Donc on va commencer par le début avec cette robe. D'ailleurs je voulais pas montrer en vidéo, je crois que je m'en rappelle. Donc c'est une petite robe de chez Kukai. Elle est quand même vachement mignonne cette robe. J'hésite trop à la vendre parce que je sais pas, genre elle est pas ouf, mais je trouve que le décolleté et tout, j'aime trop le décolleté, mais je suis pas trop fan de la forme. Bon bah ça commence bien, parce qu'en fait je voulais la vendre, sauf que je la trouve plutôt mignonne. Enfin elle fait un peu genre un peu mémère avec le bas etc. J'aime trop le haut avec les petites c'est un serre-serre au niveau des manches et tout, je trouve ça trop beau. Du coup franchement je pense que je vais la garder. Si je vois que je l'aurai pas, bah je la vends. Mais je sais pas, je la trouve mignonne. Donc pour le moment ça commence bien. Je devais la vendre, comme ça je la garde. Bon c'est pas grave, on continue. Ensemble, c'est fou ce qu'on se ressemble. Oh, elle est trop belle cette robe. Je me dis que je dois les vendre, mais quand je les remets, je me dis putain, elles sont vraiment belles. Par contre, j'aime pas trop la ceinture, je comprends pas trop. Elle est trop belle, en fait, j'aime trop le col. Je la trouve vraiment trop mignonne en fait. En fait, j'aime trop le haut. Après, la ceinture, je suis moins fan, mais on peut l'enlever. Mais j'aime trop le haut. Et je me dis, je peux changer la ceinture, mettre une ceinture un peu plus mignonne. Et elle est plus longue derrière que devant. Et je pourrais l'accessoiriser avec une belle ceinture ou quoi. Mais elle est quand même belle. Donc je pense que je vais la garder. Et puis tant pis, genre si je la mets pas, je la vendrai. Donc s'il y en a qui sont intéressés, restez connectés. Ça c'est vraiment mon problème, c'est que à chaque fois j'ai envie de vendre et je me dis oh non en fait elle est belle, oh non en fait elle est belle. Mais là ça va, sur tous les articles que j'ai essayé, il y en a deux que j'ai gardé. Donc celle-ci et la robe au tout début la copie. Ça va. Et donc écoutez, voilà j'ai pris un maximum de choses en photo. Je vais continuer après la vidéo, voilà, mais bon ça sert à rien de filmer tout. Maintenant dernière étape que je vais pas filmer, c'est poster les articles sur Vinted. Voilà, donc mon Vinted c'est des LVS Inès, de toute façon il était marqué. C'est pas pour vous, mais moi ça me fait vraiment du bien au mental de trier et de ranger aussi ma chambre, ça me fait trop du bien. Franchement trier je le fais régulièrement, mais j'avais pas j'ai quand même le temps, mais j'avais plutôt la flemme de prendre le temps de prendre en photo les articles et d'ensuite poster sur Vinted. En tout cas je suis trop contente vraiment d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça a motivé certains d'entre vous, parce que même si vous voulez pas vendre, mais aussi donner à des associations. Donc écoutez, voilà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous fais de gros bisous et on vous remercie André et moi pour vraiment tout votre soutien, on est vraiment trop contente parce que nous sommes des filles et on vous fait de gros bisous, enfin on vous fait, j'ai trop envie de dire on mais je suis toute seule, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao. Mommy, if you wine,